merci, très chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre sur Voice of Diaspora VCT TV de Monsieur Alain Marcel Paca. Moi, c'est Christian Aliouma, le géniteur de l'émission Contribution. Nous sommes déplacés au niveau de l'ambassade de la République démocratique du Congo pour s'imprégner de la situation de Congolais qui voulaient justement voyager. Pour la petite histoire, le président de la République sud-africaine, Ramaphosa, avait bel et bien donné l'autorisation à tous les étrangers de voyager, mais en remplissant certaines conditionnalités du voyage. C'est ainsi que nos frères congolais se sont mobilisés autour d'une seule personne pour pouvoir voyager. Mais il s'est fait qu'ils ont trouvé certaines embûches. Quelle embûche? C'était par rapport à trois documents. Le premier document, c'était les documents de Direco, c'est un cabinet sud-africain chargé des voyages. Et également, le deuxième document concernait la lettre de créance au niveau de Zimbabwe et la lettre de créance au niveau de la Zambie. Mais ces lettres n'ont pas été décernées aux voyageurs. Mais aujourd'hui, nous sommes dit venir sur le terrain voir comment la progression de cette situation. Mais... Bonsoir, je suis à cet moment. Bienvenue dans cette émission 15 minutes. Nous sommes déplacés ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo où nos frères se trouvent, nos frères qui ont connu un problème de voyage, de rapatriement. Ils voulaient justement rentrer au pays, mais il y avait de petits problèmes lesquels ont suscité de débats entre communautés, surtout au niveau des réseaux sociaux. Nous nous sommes dit, venir sur le terrain, s'imprégner de toutes les informations. Moi, c'est votre Christian Aliouma, avec la grande maison des presses ici à Pretoria, Diaspora Voice des AMS Info. Nous vous disons donc bienvenue. On va échanger avec nos frères. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Patrou Banalinga, la pauvre téléspectateur. Balandabiso va comprendre quintessence et mission d'Abiso. Est-ce que beaucoup vous me présentez? Bon, comme on a Donald. Donald a représenté un bon voyageur ce soir. Voilà, papa. On a comme on a Kams. Nazar parmi les organisateurs, comme on a un voyageur. Merci. Organisateur parmi les voyageurs au Isolé Kama. Tout ça en confinement. Tout ça en période d'urgence. La frontière Isa, il y a au Kangama. Qu'est-ce que ça là? Voyage na kati ya moment ya confinement. Bon, premièrement, tout ça na ba na mboka, tout ça congolais. Voilà. Tout ça résident en Afrique du Sud. Tout ça bi pays na di pays, bam so boti Cape Town, bam so boti Durban. Tout ça mobilisé tout ça tout ça à Wapi tout ça ngami. Motivation na pieza simple que non. Pour l'anda qui président Ramaphosa autorisa qui déjà que non, nous avons un problème de ça dans la vie. Parce que le lockdown, il y a l'économie et les assez. Quand tu passes au salaire, mais ça les a été. Tu fais des 6 mois à vendre tout ça à quel côté. Mais il faut foutre un dako, il faut foutre un courant, il faut foutre un mail. Quand tu passes dans la misère, les autres sont en Congo. Quand tu passes dans la 6 classe, il faut passer dans le Congo. Donc, n'est-ce pas que tu as un peu de ça sur les alertes. Tout le monde peut bambo ka baninga mususu ba organiser par rapport à discours ya chef de l'état ba zimbabwe ba tanzanien ba zo organiser ba bis ba zo mema bona mboka la bona cadre ya rapatriement bon biso pe to lobi non biso pe to na kosa pe ko zo na mboka parce que ko fana na mboka o te to futa ka ba bongo même ça les acte les te se dire que tout se organiser pe ne baninga na ba zo organiser biso pe to zo na mboka komo ya mo tout ça qui organisation to louer bis. Bis c'est la société amenée à la Sud africaine, elle de coach. Voilà. Tout le webis, tu peux s'adhérer dans un projet. Et tu peux moi première fois tu es dans la carte, mais quand même cette fois-ci, tu peux me mettre ça ici, tu peux là. Donc, tu peux me faire confiance dans le projet, mon projet ici. Donc, tout ça, quand on a une fausse, il y a un canada caca, il y a un papier. Voilà, très chers téléspectateurs, toujours rappeler, la Congolais nous soit en Dabiso dans la carte Afrique du Sud, qui c'est Esa, motivation à partir du discours du président de la République, opportunité de la qui Yakozonga. Mais il s'est fait que, bah, frère Nabiso, bah, Neko Nabiso, Oyo, bah, Bandak déjà voyage, bah, c'est pas mérant contre un problème, au niveau, il y a frontière, l'onto et bas, bah, Pesa Biso, sous le plan, la sommaire Kaka. Qu'est-ce qui a fait que, Bozala, bloqué à niveau, il y a frontière?
Bon, nous avons bloqué le niveau frontière, la frontière est juste. C'est la première fois que vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué. Il y a une raison pour laquelle vous avez une ambassade. Je rappelle que vous avez une ambassade. Ma démarche vous a bloqué le lobby. Maintenant, pour la première fois, ni ne sera qui vous avez bloqué. Bon, je vous ai bloqué, il fallait vous présenter trois documents. Merci. Dans la première document, il y a DIVCO, DIVCO est un département à South Africa. Dans la maison, il y a lettres et la créance, il y a Zimbabwe. Les autres, c'est que d'autres transités dans le groupe à la Bamou, sans problème. Dans la lettre et la créance, il y a Zambie. Les trois documents que vous avez édition. Voilà, pour comprendre individuellement, tous les voyageurs, Bazana Batina Lina Bango, ou Izalaki décerné par ambassade et la République démocratique du Congo à on a Pretoria. Et on rappelle que nous avons tapé ça qui 1000 rand pour Yakosumba Batina Liwana. Ils ont ambassade de Misaki Batina lieu tout en sachant que Bino Bozana Bat document Oyo et Kosala Bino pour voyager bien dé. Comment vous trouvez cette situation? Bon, situation là. Et ça un peu compliqué dans quel sens qu'elle. Ton projet Bandaki, tu as qui par Monsieur l'ambassadeur, son excellence, Monsieur l'ambassadeur, tout. Ce monde-là qui est ambassadeur, tout monde-là qui est en personne. Voilà. Physiquement, tu exposes un problème à l'obi. Tout le monde s'en a en Mikanda. Parce qu'elle dit que non, on a dit que les Congolais sont en Mikanda correct. Elle dit que les Congolais sont en Mikanda. Elle dit que les Congolais sont en Mikanda. Nous sommes qui battent individuellement. Nous tenons à nous battre individuellement. On a inspiré à se mettre à l'île. Donc, nous sommes déjà. Donc, nous sommes des individus qui voyagent. Nous sommes en ordre. Nous sommes avec le Canada national. C'est correct. Nous sommes un problème au Canada azaté. Parce que l'ambassade reconnaît que nous sommes des Congolais. Nous sommes un visa qui est valable. Un passeport qui est valable. Par la raison de l'île. Sauf que nous sommes en ordre. Nous sommes aussi en ordre. Même si nous sommes en ordre. Alors, question en reste à la Kakouye, qu'est-ce qui a fait que Bobi Maté, document wana, il fallait qu'il y ait intervention à l'ambassade pour Bapé Sabino, document wana, à niveau Areco, à niveau créance, il y a Zambie, il y a Zimbabwe. Est-ce que fallait que Zagina côté wana ou Bino de Boué, vous avez quitté pour manager la démarche na Bino? Bon, le problème, c'est qu'il y a un document, ils n'ont pas en avis sauté. Voilà. Parce que tu expliques qu'il projet, je ne sais pas, mon conseil. Ou à représentant la mission. Tu es ici que donc voilà procédure pour la Kubima et je sais que trois documents. Bon, mon conseil, on a raison. Mon conseil, c'est que ou à l'ingé Koloba, c'est important de voir la caméra. Après, si sur liste, la mission à rapatriement, tu as la liste. Mais la liste, elle permet de faire ce tout bima. Parce que tu as les trois documents où ils sont nécessaires pour la cité qui vraiment tu as nécessaire. Donc, moi, avec ça, côté ambassade. Mais la minute, il y a déjà un mouvement pour la sortir de ce problème. Merci, très chers téléspectateurs. Bonjour, André Bissot. Bonjour, André Mission. En direct, la chaîne Abissot, VCD TV. Toujours ça, là, pour te permettre de faire tout. Ou bien, il y a un bâtiment dans le sens où il y a bien. Et puis, nous allons demander une audition. Donc, Koutana na ba autorité ambassade pour toyer ba ko laver ba erreur oyo prochainement et ça les mal soussouté. Mais non, papa Adolphe Yubino ozo représenter justement l'équipe ba voyageurs nyoso les lots beaucoup mina niveau. Est-ce que ba document nous se joie mis déjà comment et c'est les makin dingi ni est-ce que na soutien kaka ambassade pour ba bazulu ba loba et bilé na réseaux sociaux. En tout cas, soutien et ça la l'ambassade. Ils ont conseillé Yav, en tout cas à la petite émission de travailler là, tout le monde est toujours travaillé là. On a conseillé à l'ambassadeur de l'Algérie, en tout cas à la petite émission de travailler là, tout le monde est dans la de tous déjà de qui m'a dit quoi. Je suis déjà à Val, il y a Zambie. Il y a Zimbabwe, ça se fait par téléphone, c'est compte tenu que nous avons un agreement. Il y a autofoot à la passeport et un visa qui est dans le Zimbabwe. C'est-à-dire, à un voyage commis pour les niveaux, mais à un jour. Donc, avec le contact d'un transporteur, on a vu ça. Dans le cas, toujours, il y a un voyage où il y a tout un endroit où il y a 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 un endroit où il y a
ma point de vie na sentiment na yi batant na yo ou yo a l'ekisi a ou an ambassade montu mou zaki na kati na mou na a zon ma pe a kende ou yo ka yi numéro très cher téléspectateur. Ok, merci. Ponanga, ma ministre, ma campagne, ils ont avancé bien, ils ont évolué bien. Les Aïki, tout au début, les Aïki n'ont pas moins de difficultés, mais pour le moment, ça va. Ça va, ça ouais. Va. Donc, vous avez bien l'ambassade, vous avez bien pendant 4 jours, ou sur 3 jours. Vous avez bien, l'ambassade, comment qui. Difficile à entrer, donc est-ce que Babilo est toujours avec Babilo et solo? Exactement, Nangoya solo, bon, tu vas comprendre que tu es juste au Congolais pour une année pour mais Ezaki Nangoyanate, paysan Nangoyanate. D'accord, merci. Voilà, il y a 40 personnes qui vont devoir effectuer leur voyage demain, bah, Congolais Oyo, bah, saute tous les problèmes, et bah, documents, nous sommes et bah, solution, très cher téléspectateur, nous sommes en Abisso, bah, esprit et Vanda Kimia. Alors, pour tout le temps, autorité ambassade, pour y avoir un Abisso, bah, vrai motif, bah, Oyo, bah, Nimba Kende, ma démarche ni faut pas ça là et Toroti a fait bien on a contact na représentant Oyo a organisé le tout premier voyage cela veut dire qu'il a réussi pour avoir conseil un voyage pour tout à na monsieur Adolphe a voyé des pebiso de des de voyages toujours awa okende pour de bon on ne sait pas mais ce qui est plus important c'est que bah régulariser ma cambouya voyage na bango bah esprit et vanda Kimia na ambassade et assisté pe bango po yakokende. Mkakatoniza langa toujours, le lansal, c'est la vraie famille, c'est ce que nous disons nous les Bantous. On termine par ici, un mot de la fin, papa Adolphe, la équipe n'a mis au bima. Moi c'est Donald. Donald, voilà. Dans le mot de la fin, il y a un débat, comme ça dit pour faire son mot. Voilà, merci. Bien, le mot de la fin est ça que le pangolin zambé, dans ma démarche, nous sommes les Kimalamo. C'est vrai, il y a un moment où il y a pas si tous les Kisaki au niveau de la frontière. Il y a un salarié que tous les hommes à Kotoyo, tous les Pembeni, dans la Konzi, tous les Koulan de la Makambo, les Senga qui tous les hommes en ordre pour voyager. Donc, bah, assister du 60%. Je vais ramener ces amalam, mais boyo kate ou batwazo loba que tu vendi l'ambassade dans bonnes conditions, moko ke tozo souffrir que ça là va partout, na ba sachet, ba mini non. Donc ils ont bon côté. Donc soyez normalement ça là que tu vendi ndenge bango ba loba ki tozo ça la ba sachet, ba caca tout ça. On ne pouvait pas être dans le cadre où le monde quand même est propre pour toujours passer dessus. D'accord, merci très chers téléspectateurs. Tout ce qui est ici, on a réussi les représentants bah, Oyo, bah, constitué avec voyage Oyo. Ça nous a fait du bien. Tout levé bah, équivoque. L'ambassade est très bien. Ils ont un état et la propriété, comme toujours. Nabatou Bazar, bah, bien. Voyage, ils ont confirmé pour demain matin. Bah, okay, bah, déjà, ils ont déjà un tout ce qui est la communauté. La communauté congolaise, on doit commencer. Il faut tout cultiver culture et la vérité. Tout tira la rumeur, nous sommes là pour tout éveiller ma conscience et abattre tout tira la mauvaise habitude. Ma mauvaise habitude, on a été. Alors, je dis merci à Alain Marcel Paca qui nous a coordonné. Il a été à la réalisation lui-même, à la prise des sons et les images. C'est toujours lui. Donc, merci à lui et à tous. Mais je vous rassure, très chers téléspectateurs, que le voyage est aujourd'hui, je vous dis confirmé, demain. Ils vont commencer leur chemin vers la République démocratique du Congo. Je n'étais pas seul, nous sommes accompagnés par le président de l'Union de Patriotes Congolais. Il s'appelle tout simplement Emmanuel Kasongo. Il a été de la partie et la grande équipe de la grande chaîne ici à Pretoria, AMS Info, Alain Marcel Paca sur VTC TV. Moi, c'est le vote de tous les jours, Christian Aliouma, là où le problème y est. Là où il y a une inquiétude, informez-nous, contactez-nous sur le numéro qui est sur le bord de vos écrans. Nous allons le rendre possible. Merci et à très bientôt. On va se rencontrer avec les autorités de l'ambassade de la République démocratique du Congo.